Donc je vais terminer les alinéas, la correction des alinéas 6 et 7 de l'exercice numéro 3. Donc le 6, donc j'initie, je prends le groupe phi fois ce produit semi-direct H et je remarque que l'ensemble M fois 1 est un sous-groupe. Je vais appeler ce groupe G. 1 par H est également un sous-groupe de G. Donc, si G est abélien, alors N et H doivent être également abéliens parce que c'est des sous-groupes d'un groupe abélien. Reste à savoir ce qu'on peut avoir. Sur phi, on sait bien que phi, ça représente un morphisme de conjugaison. Et on sait que dans un groupe abélien, un morphisme de conjugaison, c'est nécessairement l'identité. Donc on s'attend à ce que G abélien implique que phi doit être l'identité. Donc, je vais considérer, on va considérer NH multiplié par N1, H1 multiplié par N2, 1. Et ceci est égal à N1, phi, H1, N2, H1. Et maintenant, je vais faire la même chose dans l'autre sens. N2, 1, composé avec N1, H1. Et là, je vais obtenir phi de 1 est nécessairement une identité, donc j'ai N. N2, N1, H1. Et donc, si N abélien, il doit être clair particulièrement si G est abélien et N1, H1, composé avec N2, 1, c'est égal à N2, 1, composé avec H1, alors je dois avoir que phi H1 N2 est égal à N2. Ok? Ce qui implique que phi H1 doit être l'identité pour tout H1 dans H. Donc à la fin, le produit semi-direct N fois H peut être abélien seulement dans le cas de figure où N et H sont abéliens et phi qui va être H dans le groupe des orthomorphismes des N et l'application qui envoie tout sur l'identité. Ok? Et donc à la fin, on nous demande de montrer que Z sur 4Z ne peut pas être écrit comme un produit semi-direct de Z sur 2Z fois sur phi Z sur 2Z. Donc Z sur 4Z est abélien. Donc si Z sur 2Z produit une fois sur phi Z sur 2Z est isomorphe à Z sur 4Z, alors puisque ce groupe est abélien, phi doit être l'identité. Alors, phi, c'est l'identité, ce qui implique que Z sur 4Z serait isomorphe à Z sur 4Z fois Z sur 2z, ce qui n'est pas possible puisque tous les éléments de ce groupe sont d'ordre 2 alors qu'il existe des éléments d'ordre 4 dans ce groupe. Et donc, j'en conclue que ce n'est pas possible d'écrire z sur 4z dans cette forme.